parce que dans la chanson désolé ayembeli nous makambo tamusus o ya vivara to o asalara mais o ezaki indépendamment de sa bonne volonté binobo mona yango. Donc ce n'est qu'une personne, simplement moi. C'est que dans l'héritier vous pouvez retrouver le bien, vous pouvez retrouver le mal, étant donné que c'est un humain comme tout autre humain. C'est la moindre chose, c'est un message et le tout devrait cadrer par rapport à son message. Otié, Otié. Otié, Otié. C'est la force de notre culture. Pour les gens qui disent qu'apparemment l'artiste a joué risque. Quel risque par exemple? Sa album Neige mon aigle. Quel risque? Chacun de ces artistes est l'aigle de son orchestre, est l'aigle de sa vision, est l'aigle en tout cas de ses projets. Chacun orchestre, chacun a vie, chacun a ambassade à sa aigle. L'aigle, c'est un totem, mais par rapport à la vision, mon ami calera aigle à vie, et puis aigle à ambassade. Il y a aigle et la musique congolaise tout entière. Non, mais il nous vit aussi aigle de la musique congolaise. Aigle, non, mais toi, Kenneth, fais répéter l'aigle de la musique congolaise. L'aigle n'est pas le tigre n'est pas l'aigle, mais ce sont tous des animaux. Donc, ils ont portion, toi tu brilles en ta manière, on m'a dit grâce à mon nom. Tu as des gens sur Otié, Bafani, Baoyoko, Baaskoch. Il fallait aller qui faire. Naza contre en quoi. Mais Balouada, il fallait aller qui faire. Tiens, Nabi n'a pas vente. Moi, je parle de vente. J'ai touché d'abord une place. Est-ce que pas si. Le jour où j'avais. Moi, je dis ce que moi j'avais vu. Le jour où j'avais suivi cette chanson, je m'étais même dit intérieurement, j'ai dit, oh, mais apparemment, c'est un message de crise. Un message de crise, hein, parce qu'il y a un discours de crise. Généralement, dans les entreprises, quand beaucoup de choses, et ça rappelle comment on dit. Bah, discours à crise, peut comment la bah, entreprise. Ça, c'était par rapport à ce que moi j'avais vu. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est calomnier, regarder les problèmes des autres, s'intéresser à me rembattre comme ça. Il y a un autre lobby, Cassité. Ils pouvaient faire mieux, parce qu'en Afrique, on n'avait pas besoin de ça. Ils pouvaient encore faire mieux ce qu'ils pouvaient. Il est plus fort par rapport à cette chanson. C'est dans ce sens-là, j'allais dire. Donc, il avait encore beaucoup trop à donner. Bravo, parce que notre musique va connaître un disque d'or certifié. Il n'y a jamais eu de disque d'or certifié. Il n'y en a jamais eu. T'es sérieux? Ouais, même lui-même en 2000, c'était pas un disque d'or, il essaie. Fali? Ouais, c'était pas un disque d'or. En 2006. 2006? Il n'en avait pas, il essaie. T'es sérieux, toi? Mais il n'y a pas de disque d'or en République du Congo. Mais il faut aller chez Snap. Même parce qu'il y a un disque d'or. Mais va vérifier. Barambo, tout ça, va vérifier. Même Fali lui-même. Mais c'est de la marque. Va vérifier. Disque d'or. Au moins, il était bien, Zélanini. C'est certifié. Pour y avoir. Et ça, dans mon disque d'or pour les gars, il y a un seuil à vendre. Zambé, Zambé, yo. Il y a eu un peu de temps pour la pomade à Watosa. La pomade à Watosa. Mais moi, c'est la même chose. En ligne, aussi ma pomade naturelle à Watosa. En ligne, www.awatosa.store. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade à Watosa, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade à Watosa, il salami na bana mboka ba congolais, na ban tete ya mboka Congo. Boke bana burate. Pour la COVID, il s'en va moller, nous payons sur la pétolo. Somba gamme, il y a pomade à Watosa, masse ya mbona ba parti, on l'ingé vimba. Si il y a 3 mois, on fait résultat. Fali. Oh. La pomade est à Watosa. Moi, c'est un réfère communal. Qui bocole. La pomade à Watosa. Salut, bonjour, bonsoir. Chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Je suis grâce à Temo, la star passeport. La donna, boss lady. Voilà. Bienvenue sur Temo TV officiel. Je suis très heureuse de savoir tellement nombreux vont vous poster des médias pour regarder moi, votre humble servante, votre chroniqueuse préférée. Donc voilà. Kanete Sabino, ici c'est l'information à temps réel. Donc vous allez retrouver tout. Politique, faits sociaux, musique, nous sommes vos en besoin. Abonnez-vous sur Temo TV officiel pour ne pas rater de l'exclusivité. Déjà, je vous remercie. Merveille Mambouya derrière la caméra. Batimoulou, nous sommes en aligné. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous
à mes yeux qui parle tellement bien. Bosséi est tellement mingé sur Temo TV officiel. Je crois que c'est pour la première fois que nous avons l'honneur de recevoir Poupou. Qui l'air qu'il est, je ne sais pas, mais en fait, on a déjà caméra, c'est sûr de faire découvrir Naba Timoulov, qui est notre invité d'aujourd'hui. Vous voyez bien déjà, c'est un monsieur, il est Moïse à Pétra Baraton, il est carboné dans l'élo, il a son l'élo. Donc, il y a eu parce qu'il y a à manger à boire aujourd'hui. Donc, avec lui, on va essayer de parler, on va essayer d'analyser, on va essayer de décortiquer sur tout ce qui se passe actuellement sur Internet. Donc, sans plus tarder, je m'en vais déjà à saluer mon invité. Bonjour. Bonjour Rastimo, en tout cas tu as plusieurs noms, surnoms, prénoms, sobriquets, donc n'invitez-moi. Donc je comptais peut-être t'ajouter aussi un autre. Et ça fait du bien parce qu'à chaque fois qu'on t'appelle, tu es dans les airs. Non, on va rester mon Airways. Tu es tout le temps parti, c'est pour rire. Hein. Tu vois, au début, c'était compliqué, mais maintenant là, ça va. Ça avance. Donc merci à toi. Merci d'avoir pensé à moi. Merci à Rastimo officiel et puis à Merveille Mampouille derrière la caméra MM. Et puis merci à tous ces abonnés qui ont accepté cette chaîne comme étant une chaîne mère. Certes, il n'y a pas de chaîne parfaite, il y a toujours des chaînes qui ont connu des problèmes. Mais je demande à ce que Matoutou Bana Grâce Temo va s'abonner pour la Killer Killer si télévision. Ça me ferait un grand plaisir. Alors, Kaka TV. Donc, Killer Killer si télévision, abonnez-vous en toi massivement, ça me ferait un grand plaisir. Et nous sommes là. Je suis là pour eux, je suis là pour toi. Et on avance quoi, parce qu'il est plus important. Hein. Tu as une connotation. Hein. Toi, tu fais partie des Warriors. Ah, on dit que tu es Warriors. Moi, je suis pas Warriors. Il faut pas aller là-bas. C'est une Warriors. C'est une Warriors. Faut pas aller. J'ai dit, mais attends, une Warriors. Non, parce que les gens, ils disent, moi, je suis là pour la culture. Tu te réponds, je te rien là. Je suis tout, en fait. Tu es pour la culture. Je suis pour la culture. Voilà. Ok, bref. La ligne à la banque, c'est la mission, c'est un peu là, vraiment trop. Donc, voilà. Alors, qu'il est ici. Aujourd'hui, ouais. C'est pour la toute première fois, il y a Mbayo. Moi, déjà, on est à la micro, là. Et c'est pour la première fois, on est à la Temo TV officielle. Alors, qu'il est ici. S'il faut que tu te présentes, s'il faut que tu te présentes, qu'il est tu te présentes tant que tu. Bon, là, tu parles professionnellement parlant ou comme ça Professionnellement parlant. En fait, s'il faut aller, je suis fils de ma mère et puis fils de mon père. Et je profite de cette occasion pour en tout cas souhaiter de bonnes guérisons à mon père qui Nicolas Azasco assisté ma kiné. Donc il y a un kinésithérapeute qui est là tout le jour pour lui. C'est bon déjà, donc c'est-à-dire bonne guérison à lui. Et puis merci pour lui. Merci papa qui est ici. Merci encore une fois là à ma maman chérie, maman Yvonne Biela, Mazumbu, que j'aime bien. Fils de sa mère et de son père, issu d'une famille de 7 enfants. Je suis à la deuxième position, à ma grande soeur qui est la première position, Huguette Biela Mazumbu. Je viens après elle. Non, Huguette Bouti Nadia plutôt. Je viens après elle. Et puis derrière moi, il y a Sissi, il y a Géry, il y a Daniel, il y a Chavrac, il y a Henri qui est le cadet. Et mon chic, tout le temps, on le voit tout. Hein. Nous avions étudié comme tout le monde. Et puis, je suis passé par les Joël Lutin. Et puis, on a connu des formations. La télé, déjà, c'était une passion. Et c'est mon père qui m'a motivé davantage à Sangai. Tu es tellement persuasif que... Parce que mon père parle bien que moi, mieux que moi. Ami, tu es tellement persuasif que j'aimerais mieux salam salamoro. Oui, bah nous allons courir, bah on va tout bailler au cas où. Ah, tu dis, mais attends, à cet âge, je ferai quoi? Il dit, bon, je vais t'orienter. Et puis, tu en as poussé à la mienne, il faut ça à latin philo. La salle, on a pris la tête, mais il faut t'en amener à journaliste, mais ça l'a bien. Et c'est comme ça et que tout a commencé. Donc, tu es vraiment journaliste de formation. Si, de formation. Et puis, je suis passé par beaucoup, en tout cas. Je crois qu'il est tellement long l'histoire. Et c'est maintenant revenir les zouzous. Tout bête, étant donné que c'est un côté, puisqu'on devait passer là-dessus. Donc, je suis passé par beaucoup, en tout cas, et j'ai connu beaucoup de formations comme ça. Et en 2000, j'avais intégré Radio Télé Kin Malebo. À l'époque, on a chaîne, il y avait pas mal de gens, en tout cas, qui ont marqué l'histoire. Il y a TV Nabisso. Et en étant pas un professionnel, mais travailler avec des professionnels, automatiquement, on apprend de tous ces gens. Parce qu'à l'époque, à la direction générale, il y avait Lumana Kapasa. À la direction des infos, il y avait Charles Dimanja Wembi. À la direction des programmes, il y avait Pascal Amissi. Et puis le Pierre Mandak à l'emblématique qui était du côté de la régie. Il y avait Fiston Mayemba, il y avait Patti Salé, Mende Mamouini, John Ngoy, Yves Ngoy. C'est-à-dire, c'était toute une panoplie de grandes personnes en tout cas et puis de professionnels qui nous ont encadrés aujourd'hui. Avec, par rapport à ce que nous avions appris, nous sommes ce que nous sommes. Mais pour l'Internet, la personne appelle ça maintenant Gouya Internet. C'est Jazz Kavoul. Papa Zayo. Papa Zayo. Type on a vraiment changé pression. Et comme ça, on sort, allô, Ozap, il y a quand même les camoufles, maman a les camoufles.
Oui, maman, les gambo, t'as donné tout ça là, Makambo. Tu regardes comment ça se passait. Donc au début, c'était compliqué parce qu'on avait peur. Il va me rembêler, mais après, il va me dire, mais attends, tu dois faire ça. Avec la petite connaissance que tu as là, tu peux donner le meilleur de toi. Compliqué, mais après, bon, j'ai accepté. Et dans combien de première émission, dans les camps, ils n'ont pas business même. Dans un coup, pas de passage, nous faisions autre chose. Et Bunès qui avait une émission, on a, c'était comment encore là? La maison, a échappé, mais après Val de Paris, la Bandal, il y a un déco trésor Moukouna. Après, moi, je crois qu'il y a encore une autre maison d'habillement qui était là. Il y avait Adam sous le Zolo et puis Freddy Akimé. Il y avait moi et puis il y avait Alain Dele, Papine Dele, Pilof. On est sur à 4. Ça dit, fait la côte. Non, le côte là. La côte ici, quoi. Analyse-moi, c'est la suérité. On a essayé de parler. Et puis voilà, donc c'est comme ça que les gens m'ont dit, mais attends, avec ça, tu peux faire mieux. Tu as tellement un franc parler et que ça mérite, ça nécessite une personne comme toi. Et je l'ai fait aujourd'hui, voilà. D'accord. Netium Toutana TV, s'il faut aussi à la biche une lecture, il y a télévision, il y a internet au fait. C'est quoi vraiment la différence? Mais il n'y a aucune différence d'abord. Parce que le tout, ils ont un support au réseau permettre que l'information est à la relayer partout dans le monde entier. Déjà, je venais tout cela, la télévision est pratiquement morte. Tu vois? Et toutes les informations possibles au Yo Lukara, au Bandekoba Lukara, sont sur internet. Sauf que tu ne vas pas tout, tu vas focus sur ma téléphone, mais même ma famille, n'a pas. Même pendant les mariages, je suis là, 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 je suis là. Il veut se faire informer. Si réellement il y avait une différence, lorsqu'il n'y allait pas avoir des éminents professeurs, on va dispenser à cours dans différentes universités par rapport aux médias en ligne. Donc parce que c'est un support bien, je crois que pour moi, il n'y a pas une différence. Mais les combles, les amis, les personnes qui ont embrassé en fait, l'Internet avant n'avaient pas compris que l'Internet fait un support à ma casse pour faire avancer notre culture, notre pays et autres. Bon, il y a un mauvais usage. Tu vois, donc ça dit, il y a un Internet, l'Internet est glissé. Donc, vu qu'Internet est glissé, donc, il y a un glissé, donc, pour lui, il s'est dit que l'Internet, donc, ça dit, déontologie, c'est éthique, il y a des Internet, l'Internet est glissé. Or, Batumusuba non, c'est l'ango bien dans le temps. Donc pour moi, je dirais que ce sont les personnes qui ont embrassé au fait l'internet avant, les va rendre tâches difficiles. Et ça là que quand tu rencontres un ministre, aboyinaye ou yagou les internet. Quand tu rencontres un aboyinaye, pourquoi? Parce que bato basaki on libosu basala qui ont mabé makas kouleka. Mais la différence, je ne vois pas. Et ça la télévision, ça support pour relayer l'information. Parce que Moussa le TV salagi aujourd'hui c'est l'internet qui le fait d'ailleurs mieux que tout. Comme même Babavu Reza Mwandam. Batuga. Mieux, non, mais la vitesse de l'information. Oui, mais ce que tu as, télévision à l'époque, toi, télévision, quand tu as tout, tu as la possibilité de voir la TV. Mais l'information, comme elle a tout, tu es pour tout, tu as la TV. Et puis, on va parler de la TV. Mais on a beaucoup de téléphone et aller. Imagine que l'Internet a même facilité la tâche et permettre que même Bissot, tu as un téléphone téléphone qui est calaka ça. C'est-à-dire, tu touches, tu as un téléphone Facebook, tu n'auras pas d'information. Imagine que même le téléphone a touché, comment appelle WhatsApp. À partir de WhatsApp, tu peux avoir une information, même quand même, comme il n'y a pas d'image, mais il y a des écrits. Sauf la possibilité, tant qu'on comprend que grâce à Temo, il vient de Dubaï, tu as l'information. Tu vois, donc l'information est à la portée de tout le monde. Et puis, il y a ça à la seconde près. Tu vois. Donc, pour moi, je dirais que la télé, elle a fait son travail, la télé a fait sa mission, mais l'Internet aussi est en train de faire sa mission. Question grave, que grâce à Temo, on va tout vendre bien l'image Internet, ça l'a bien. Pour ça, ça bien. Et ça supporte ma longueur, ma casse. Oui, au coup, ma ramoutou aussi. D'accord. Merci beaucoup. Comprenez que lui, c'est killer. Il les supporte tellement bien que je suis tellement fan de lui. Pour ça, il y a un réel Obama. Je dois poser des questions. Alors, killer, killer, aujourd'hui, je suis venue te chercher, moi et mon équipe, parce qu'on doit vraiment essayer de parler sur l'actualité musicale. Donc, mais avant tout, côté d'Apena, on a besoin de questions. Il y a quelques semaines passées, on a vu l'artiste Héritier Watanabe qui venait de sortir avant-goût, je parle, si une chanson tube, qui a annoncé son album. Tube, une chanson en fait, voilà, faisant partie de son album. Désolé. Nanzimboana, il est désolé par rapport à Mamion Soué, les gars qui n'ont combo naïe, Héritier Watanabe. Tout ce qui se passait tout autour de l'artiste. Mais selon toi, Kilartiliste, tu penses vraiment que cette chanson, ils ont vraiment
bien par rapport à, comment je veux dire, et maintenant c'est ils ont mérité pardon que batbalim bisaye tout ça là. Mais si ça ça mérite et ça vaut la peine parce que l'héritier elle avait fait indépendamment de sa bonne volonté. Alors quoi mère moi les gars lui vous quoi ça dit elle s'attendait pas ah les gars lui vous quoi désolé désolé en tout cas voilà héritier ne l'a pas fait de sa propre volonté pour que papa mon ablo tout mon qui voilà. Je pense que si ça ne dépendait que de l'héritier, de ma image, on a tout le monde à moitié. Puisque c'est indépendamment de sa bonne volonté, c'est pourquoi il est désolé. Mais en écoutant les textes, on comprend ce qu'il voulait nous dire. Et puis pour moi, je dirais que c'est un homme fort. Moi, je l'ai toujours dit. Parmi les grands esprits qui figurent sur la liste des artistes musiciens ici en République Moitié du Congo, l'héritier, il fait partie dans toutes les émissions d'Aligara. Et puis quand je l'ai dit, je ne voile pas la face. L'héritier, quand il veut, il veut. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Et. Il peut être peut-être parmi les quatre artistes ou trois, on va affronter la réalité. Et c'est une personne qui accepte ma critique. Je suis allé sur Internet, je suis allé à la vérité, à critiquer à faux, je suis allé à la vérité, je suis allé à la vérité, à Pessier, à Kepé sans problème. Et puis, à moi qui ai un album, à moi qui ai critiqué ma longue, contrairement à d'autres artistes, parce qu'il y a un artiste qui a joué à ma banque, à moi qui ai dans le studio, mettant la télémission, il y a recadré, il y a bien. Donc, je pense que c'est un grand esprit, comme je l'ai toujours dit. Moi, je dis merci, héritier. Surtout, je l'ai pardonné. Moi, tu ne peux pas comprendre que toi, on est à Kin. On vit à Kinshasa, donc le pays de la République moitié du Congo, notre pays. C'est-à-dire, il y a des gens qui vendent des histoires à la sauvette. Il y a, c'est-à-dire, de on va chailleur comme ils m'ont en bilan. Donc, tu souffres, mais tu faire vivre nos PC qui se passe ici. Oui, ça la mise au bien. Donc, héritier, Watanabe, il est fort, un grand esprit. Et moi, j'ai dit que merci à lui. Moi, je l'avais pardonné et je le remercie pour son courage. Moi, Sali, même le pasteur, même le chanteur chrétien, aucune personne d'entre elles, les gars, ne veut pas reconnaître. Mais surtout, tes amontages, je me souhaite ma consigne. Oh, toi, au moins, la réalité, Sali méritait quand même, assume. Dis, n'est-ce pas solo, n'est-ce pas l'okuta. Désolé, donc, pour moi, et ça vient indépendamment de ma bonne volonté, s'il y a lieu, pardonnez-moi. Et on dit pardon. Donc, un tube qui m'a fait énormément plaisir. Qui d'ailleurs est une chanson, il y a désolation. Il y a Rumba. Moi, désolé, désolé, et je suis face de Belé. Je suis la belle thème, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Donc, merci à Héritier, merci à David Monceau qui est son producteur. Et nous attendons le meilleur de Magamboutou. Entre autres, album au Mion Jimmy Démon. Parce que Mion Jimmy Démon fait réparer Magamboutou sur Héritier Baby Saïta Moussous. Et ça, voilà, bien. Parlons de mi-ange, mi-démon, le but de l'Alika avec Poto la Mouké. On a vu l'affiche officielle qui annonce, bien sûr, la sortie officielle de l'album Mi-ange, mi-démon. Qui est prévu pour le 18 décembre. Donc, dans quelques jours, nous aurons l'album Mi-ange, mi-démon. Mais l'affiche là. C'est mi-ange, mi-démon. Ça fait un tout petit peu peur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'héritier, franchement, l'affiche là, ça fait peur au fait. Mi-ange, mi-démon. Parlons d'abord de l'affiche. L'affiche de mi-ange, mi-démon. Lui, il nous parle de mi-ange, mi-démon. Est-ce que l'artiste était vraiment obligé de nous présenter ce genre d'affiche là? Mais là, en principe, ça doit être illustratif. Donc, ça doit illustrer ce que l'artiste voulait, ce qu'il voulait nous donner comme message. Parce que là, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il a dit mi-ange. Donc, en fait, dans la vie d'une personne, il y en a partie morale négative. La partie moi, c'est positif. Mais le chacun positif, de nous. Là, ça fait peur. Mais justement, la partie positive, elle est bonne en fait, elle est belle. Mais la partie négative, c'est la partie peut-être qui fait peur. Il veut tout simplement dire, dans l'héritier, vous allez retrouver tout. Raison pour laquelle il a chanté cette chanson, désolé. Événement. Le maestro de la musique africaine, Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Starte la danse du moment. Mondaine. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Parce que dans la chanson, désolé, Ayembelino Makambo, Tamoussous, Oya Vivara, To Oa Salara, mais Oezagi, indépendamment de sa bonne volonté, Binobo Mounéon.
Donc ce n'est qu'une personne, simplement moi. C'est que dans l'héritier, vous pouvez retrouver le bien, vous pouvez retrouver le mal, étant donné que c'est un humain comme tout autre humain. C'est la moindre chose, c'est un message et le tout devrait cadrer par rapport à son message. Donc moi, je ne vois pas ce qu'il y a d'absurde, mais généralement, la revue Noirtier du Congo sont des personnes qui vivent autrement. Mon ami maître Gims, ça c'est Gims, parce qu'il n'aime pas, il n'aime plus qu'on l'appelle maître. Ah ouais? Il a déjà franchi toutes les étapes, donc combien de maîtres étaient? Il est Gims. C'est-à-dire, moi, ça là qui, le prix est payé. Ouais. Cette chanson a fait le tour du monde. Et parmi les personnes qui ont critiqué, qui ont dit tout ce qu'on a voulu dire, les Congolais, ils faisaient partie. Mais ils ont dit, moi, ils étaient bien, mais ils ont point noir, moi, là. Ils ont dit, moi, ils ont dit, 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 tout ça, ils ont parti, mon repère, il y a moi, ma bé, et ça, là. Or, ce n'est pas le cas. Moi, je pense que l'affiche, elle est en tout cas belle. Et on s'attend à un truc qui est, en tout cas, positif, quoi. Positif, on le veut bien. Héritier Watanabe, nous sommes de cœur avec toi. Et puisque nous avions toujours été derrière tous les artistes et musiciens de la République démocratique du Congo, coup de chapeau, chapeau, bah salut à toi l'artiste et on attend Mi-Ange Mi-Démon. Et tu mets bien. Et jour puis, on a sorti ta poche. Tu as un Mi-Ange Mi-Démon, mais Héritier Watanabe qui nous, voilà, qui nous apprend qu'il sort son album le 18 décembre, mais notamment Fali Poupaya Toko, c'est et on m'appelle le 18 décembre. Mais ça fait couler beaucoup d'encre. Les gens disent que Héritier a joué risque à Robin Moussa. Album, jour où on a Fali, soit disant qu'on a un chaos debout, parce qu'il ne peut pas, selon le genre, selon le Congolais, Héritier ne peut pas sortir son album le même jour que Fali Poupa. Donc apparemment, c'est un sacrilège et tout. Sacrilège, c'est quelque chose dont les gens ont du mal à comprendre, les gens ont du mal à digérer que non, c'est comme s'il a fait. Exprès. C'est comme s'il y a David Manceau. C'est comme s'il ne pouvait pas sortir son album le même jour que Fali. Parce que déjà, on doit signaler que le. Désolé, là, il m'a à peu près. Jour où on a un message à Fali Poupa. Et apparemment, le gars, il ne lâche pas l'affaire, il est toujours derrière Fali. Non, mais il est derrière lui comment? Non, mais c'est ce que les gens ils disent. Non, mais ce sont des gens qui les disent, ce sont des fanatiques, c'est tout à fait normal. Ils sont libres. Bah, généralement, ils disent, ok, ça n'a pas. Et puis, leur politique, ils ont une politique très différente. Ils ont attendu que Fali. Et puis, ce n'est pas une première fois. Oui. On a mis tout le monde en bas. Bon, tout le monde aussi là, papa chéri avec Ouer ensemble. Tout le monde aussi là, confirme des papas. Tout le monde aussi. C'est du déjà vu. Il n'y a rien de plus spécial. Et ça va que les gens adorent notre point noir. Donc, ça dit. Là où il y a la lumière, les gens veulent qu'il y ait toujours un noir. En réalité, la lumière est grosse à noir, un peu grosse à la tête. Au moins, les gens veulent spéculer, dire des choses derrière. Mais pour moi, ça me va droit au cœur. Parce qu'on va vivre. Il y a tout le monde a culture. Au tché. En fait, c'est la force de notre culture. Pour les gens qui disent qu'apparemment, l'artiste a du risque. Quel risque, par exemple? Quel risque? Chacun de ces artistes est l'aigle de son orchestre, est l'aigle de sa vision, est l'aigle en tout cas de ses projets. Tu es l'aigle de ta scène. Tu sais pourquoi tu as fait mon choix. Parce que tu as regardé. Au talib, on a vision, on a une vision, on a une vision, on a une vision, on a une vision, on a vision, en étant aigle de ma chaîne et de mes émissions, je dois faire le choix des killers. Et puis on comprend, tant que l'émission écoute, j'avais fait un bon choix parce que c'était killer. C'est comme ça. Exactement. Chacun a orchestré, chacun a vie, chacun a ambassade à sa aigle. L'aigle, c'est un totem, mais par rapport à la vision, mon homme calera aigle à vie, et puis aigle à ambassade. Il y a aigle et la musique congolaise tout entière. Non, mais il nous vit aussi aigle de la musique congolaise. Non, mais toi, Kenneth, fais répéter l'aigle de la musique congolaise. Chacun, tu pouvais y croire que tu vois, tu le roi Hollandie. Un tube le gros là, best, où on pouvait prendre un tube comme Regarde-moi, où on pouvait prendre un tube comme Désolé, où tu roses un tube le gros là, Malaboni, Bakobé, Nayo, c'est mec qui perd, c'est mec, il y a une image. Est-ce qu'on dit que tu roses un tube le gros? Tu l'opes son bot. Ils sont tous des aigles de la musique. Salut, mon amour, tu n'as portion à quoi naïe. La lune et le soleil brillent. Mais chacun brille à son tour. L'aigle n'est pas le tigre. Le tigre n'est pas l'aigle. Mais ce sont tous des animaux. Donc, ils ont pension. Toi, tu brilles en ta manière. Moi, grâce à mon nom. Tu as des gens sur Oche, Bafani, Baoyoko, Baas Coach. Tu as combien d'abonnés? Une question comme ça. Mes abonnés, Bas privés, en fait. Nabi, Balégui, déjà moins 20 000. Nabi, ma chaîne, Moussou, 100 000 abonnés.
Mais bonheur au monde, nous, Mataravion, nous avons besoin de 5000 abonnés dans le bateau à Matite. C'est ça, en fait. Et c'est ce que nous devons comprendre. Point barre, on avance. Mais qu'il y a qu'il est si le genre, qu'il y a qu'il est si question. Pourquoi tu as toujours tendance à être un tout petit peu contre Fally? Non, je ne suis pas contre. Actuellement, on a vente la France. Fally à l'équipe faire. Nasa contre en quoi? Mais Balouada, Fally à l'équipe faire. Tiens, Nabi n'a pas vente. Moi, je parle de vente. J'ai touché d'abord une place. Est-ce que pas tes gardes? Si. Sauf qu'on regarde mon talent au monde. Toi, tu es derrière de l'internet. Tu fais le boulot d'investigation, va voir. Un single au monde. Au moins, on a quand même. Il y a la vente actuellement en France. Ferré Fally, c'est clair. Fally vend. Parce que, à cible à qui? Message. Bon, message, ça évolue. Hein. Quand tu as message, toi aussi, Mbappé, ça évolue. Mais bon. Toi aussi, ça va plutôt. J'ai toute tendance à être contre. Dans la crise, partie est positive quand même. Et puis Lélo, tu es attaqué. Lélo, non, tu as toutes les questions. Parce que ça y est. Parce que les gens ne digèrent pas que je. Au moins, tu vas te faire un peu de confusion. À mon avis, tu es bien killer. Tu es un warrior, ce killer a qui. Et ça, la fausse. Que les gens pensent que. Voilà, les gens pensent que. Non, je n'ai jamais été. Au moins, tu vas te faire un peu. Voilà. Et on a bien que. Oh, bah, on va voir. Il y a une confirmation. Non, mais c'était pour rire, hein, tout ça. C'était en tout cas pour rire. Et on avance. Hein. Ben, bien sûr, on avance. Donc, pour toi, l'artiste héritier Watanabe a libre ordinateur. Il est libre. Ouais. Libre comme l'air. Mais donc, question. Il est libre comme l'air. Mais question. Les 18 et quoi? Et quoi, ah. Donc, il est libre à tel point que. Hein? Ça, libre. Pour tout le monde, apparemment, David Monsozo est un artiste en erreur. Comment ça? Je sais pas risque. Non, mais n'oubliez pas que David Monsozo connaît bien l'artiste aussi. Mm-hmm. Mais voilà. Il est artiste à 2006. Non, mais il faut pousser un petit mois, Limoso. Mais il met. David Monsozo, témoin. La musique, hein, ce n'est pas que le talent qui compte. Le talent, c'est vrai que joue un grand rôle dans la vie d'un artiste. Mais c'est aussi les personnes qui maîtrisent en fait l'industrie musicale. N'oublions pas, que David Monsozo, c'est un faiseur de stars. Et il a la maîtrise. La maîtrise, je dis bien, de l'industrie musicale. Ça dit carnet d'adresse, c'est ça ma longa. Aïe place une fois si, mana place une fois si mbate. Nous, on est là, qui vivra verra. Regardez les choses du bon côté et on veut que les 18. Il y a un coach artiste, mais ça n'a désolé, question. Comment est-ce que vous êtes comme moi? Soignez-le. Bisous, c'est comme moi, je vais me place d'abord. Ah, essayez de voir en fait. Bonne chance en toi. Bonne chance. Moi, je dis que franchement, c'est un homme à risque. Il a toujours osé. Héritier Watanabe, non, mais il a livré des concerts à qui? Il a livré un concert à Kinshasa, je crois que c'était au Romeo Golf. C'était le 3 juillet à Nemorobo. Le tout premier. Il était sans album. Ouais, ouais. À Bétango plein à craquer. Donc, ça dit voilà. Héritier, courage. Parlons de messages. Qu'est-ce que le message a fait? Il y a un message, Fally Poupa. Il y a eu des gens qui ont accusé l'artiste, genre il a fait du plagiat. L'artiste, il n'y a rien de waouh. Fally Poupa, il se prend pour qui? Il y a eu deux gens qui ont critiqué le message. Nanani, nanana. Il aurait pu faire 1 million de vues dans 3 jours, mais il y a eu beaucoup de jours pour que ça ait 1 million de vues. Fally Poupa, nanani, nanana. Alors, toi qui l'as refilé, ce message pour toi, c'est vraiment un message? Bon, message ambigu, en tout cas ta question, hein, elle est vraiment ambiguë et c'est une question à plusieurs têtes. Et je crois que l'artiste pouvait faire mieux. Tu penses bon, on a suivi, il pouvait faire mieux. Voilà. Il a tout, il a le talent, il a tout. Mm-hmm. Il pouvait faire mieux. Peut-être que désolation, bah, fanatique, c'est de voir Eloro, bah, Satana, il a monté. Et puis, le jour où j'avais. Moi, je dis ce que moi j'avais vu. Le jour où j'avais suivi cette chanson. Je m'étais même dit intérieurement, j'ai dit, oh mais apparemment c'est un message de crise. Un message de crise, hein, parce qu'il y a un discours de crise. Généralement dans les entreprises, quand beaucoup de choses, et ça rappelle comment on dit, discours à crise, peut comment, là-bas, entreprise. Ça c'était par rapport à ce que moi j'avais vu. Mais quand j'ai suivi des analyses, des amis et des frères ont dit, peut-être que l'artiste en avait ras-le-bol, quoi. C'est pourquoi il a dit, mais c'en est de trop, comment c'est toujours moi, comment, comment. Et puis il entre, il va au studio, il sort un tube du genre où il y a.
il répond à tous ces jaloux, toutes ces personnes dont l'artiste estime qu'il est un détracteur. Tu vois? Donc ça, c'était par rapport aux analyses de différents journalistes qui font partie de l'orchestre. Et puis, il y a tout, rappelez-moi Libanda. Et je suivrai l'artiste lui-même comme ça, dans une émission, qui dira, non, mais je suis un peintre de la société. Et puis, il y a un zone dans mon amour. Mais dans la taille, j'ai pensé à beaucoup de choses. Mais je m'étais dit que l'artiste pouvait faire mieux que ça. Mais bravo, parce qu'il a, encore une fois là, immortalisé le feu l'homme Makiadi, grand maître l'homme Makiadi, ainsi que Madilou System. Et puis il a rappé quoi. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est fort. On a une partie moi. Merci Nzambe et ça m'a bien. Partie on. Ça me fait du bien en fait, en dehors de tout ce qu'il dit, parce que ça c'est la vie courante. Voilà. Mais quelqu'un qui remercie Dieu, c'est une force. Hein. Donc, de lui-même, il a compris que tout ce que j'ai fait, et ça indépendamment de ma bonne volonté et de ma force, parce que Dieu a voulu. Donc merci Nzambe. La partie moi, Zoloba, l'Éternel ne vous déteste pas, mais me préfère. Et bon, mon rapport. L'artiste pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux. Ce qu'il a fait, c'est pas trop. Non, il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux parce qu'il est plus fort que ça. Il est plus fort que cette chanson. Il est plus fort que cette chanson. Merci. Il est plus fort que cette chanson. Wow. Ouais, mais il est plus fort que cette chanson. Enfin, moi, je suis très contente. Mais je l'ai toujours dit, il est plus fort que cette chanson. Voilà. Cette chanson, il pouvait encore faire. Et puis, il ne pouvait même pas s'intéresser à cette chanson. Comment ça? C'est un être humain. Non, mais il est plus fort que cette chanson. Regarde. Déjà, il est l'aigle. Parce que l'aigle a une vision qui est lointaine. Et puis, tout ce qu'il y a à côté, il ne voit pas. Et puis, c'est notre Madagascar. Ce que vous faites en Afrique n'a rien à voir avec lui. Lui, il est Madagascar, donc il est à part entière. Donc, il pouvait faire mieux que ce qui se passe en Afrique. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est calomnier, regarder les problèmes des autres, s'intéresser à me rembattre au sable. Il y a un autre lobby, Cassité. Il pouvait faire mieux. Parce qu'en Afrique, on n'avait pas besoin de ça. Il pouvait encore faire mieux ce qu'il pouvait. Il est plus fort par rapport à cette chanson. C'est dans ce sens-là, j'allais dire. Donc, il avait encore beaucoup trop à donner. Beaucoup, mais bon. On dit merci parce que la culture Nabisso, on a une chanson de plus comme Jaloux. Donc, tu peux en utiliser pour tes détracteurs, pour tes jaloux. Par contre, un, par contre, l'autre. Merci. Voilà. Bravo. Donc, voilà, merci beaucoup, c'est l'air qu'il est. Si vous vous prenez en cours de cette émission, comprenez que la première fois, Timothée reçoit pour vous, Killer qu'il est. Donc, le micro est grâce à Timothée. La star, la gueule. Donc, Killer qu'il est ici, parlant de son disque d'or, il y a Fanny Poupa qui vient. Il en a déjà ou aussi un disque d'or, on a vu que c'est pas encore certifié ce mec, mais il y a déjà un disque d'or puisque le Warrior. Bah, Warrior, on va le demander. C'est toi qui connais parce que. Ok, le Warrior. Le Warrior ont promis à leur artiste que avant le 14 décembre, le jour de son anniversaire, parce que l'artiste est né le 14 décembre, Barozois, disque d'or. Alors, apparemment, lui, il est impossible de ne pas avoir rire. Donc, l'ancien qui défie Nabango, alors, l'artiste vient de décrocher un disque d'or qui n'est pas encore officiellement certifié chez Snap. Mais il y a déjà un disque d'or en cours pour Fali Poupa pour Natokos 1. Qu'est-ce que tu diras par rapport à cela? Moi, je pense que c'est tout ce qui me manquait, hein. Carrière à Fali Poupa. Non, pas c'est tout ce qui manquait dans la carrière de Fali Poupa. C'est tout ce qui manquait. Non, ce n'est pas tout ce qui manquait dans la carrière de Fali Poupa. C'est tout ce qui manquait aussi la musique Nabissou. Bravo, parce que notre musique va connaître un disque d'or certifié. Il n'y a jamais eu de disque d'or certifié. Il n'y en a jamais eu. T'es sérieux? Ouais, même lui-même en 2000, c'était pas un disque d'or, il essaie. Fali? Ouais, c'était 2006, pas un disque d'or. En 2006. 2006? Il n'en avait pas, il essaie. T'es sérieux toi? Mais il y a pas de disque d'or en République partie du Congo. Ouais. Mais il faut aller chez Snap. Moutouna a un disque d'or certifié, n'a ce n'est pas Zalaté. Mais vas-y, va t'informer. Vas-y, va t'informer. Il n'y en a pas, Zalaté. Donc bravo parce que nous aurons un disque d'or dans la musique Nabisso. Mais s'il faut en faire un problème ou une fête, moi je serais désolé peut-être pour faire mal aux gens. Même parce que un disque d'or. Mais va vérifier. Barambo, tout ça, va vérifier. Va, même Fali lui-même. Mais c'est de la mode. Va vérifier. Disque d'or. Au moins, tu as bien Zélani. Certifié. Pour y avoir. Et ça, on dit que d'or pour les Guinéens, nous sommes seuls à vendre. En fait, Kylia, avec un pays avec plus de 70 millions d'habitants, sans compter la diaspora, nous, le Congolais, nous sommes incapables d'obtenir un disque d'or certifié. Ah.
C'est de là où maintenant vient le grand problème. Avec 50 000 francs. Ah, ok, mais. S'il y a des artistes comme Nino qui ne cessent d'enchaîner de disques diamants, je sais pas, disques platine. Franchement. Non, mais je suis choquée. Mais regarde. Non, mais je suis choquée. C'est pas que. C'est depuis la nuit des temps, certes. Les Aïrois, bah, il y a des difficultés en ce moment. Sincèrement, c'est un truc de dingue. En fait, c'est depuis la nuit des temps que les Aïrois n'avaient pas cette culture en fait, qui est en somme maraba cédé. Et un petit lélo. Mais aussi, il faut savoir que bah, tout le monde a 50 000 disques. Ma teka on a France T. A teka on a beaucoup de différents. Et puis il y a beaucoup, mais justement, il faut vendre 50 000 bons on a 4 en France. Et puis tu dois être. Mais qui ne font pas ça? Il y a en place dans la télé marathi. Donc, et puis en plus, tu dois être affilié à Snap. Pour seul, la Snap, même ça, la motoise là, habilité à recevoir un disque d'or, ils ont certifié pas nous, on considère un disque d'or vrai. Mais tu as là, aux alatés. Je dis bravo. Ce qui disque d'or en Héroïa, ça sera en tout cas un titre de plus dans JVC, en Abyssou. En tout cas, le Warrior, on en a vraiment besoin. Si c'est pour la première fois dans notre pays, la République démocratique du Congo, on aura un disque d'or. Un vrai disque d'or certifié Nastap selon Kiner, parce que moi je suis moins informée. Je n'ai pas évité. Non mais je suis bon, pas du tout. Selon Kiner. Ils savent pourquoi ils disent ça, parce qu'il n'y a pas de disque d'or certifié par la Snap. Pour la première fois en tout cas, Fally Poupa, tu mérites tout le respect. Il mérite. Non mais justement, nous avions dit nous respectons parce que c'est un disque d'or qui vient. Mais ça dit, surtout toi qui n'as rien à logique des choses, disque d'or, c'est le gros père. Tu veux bisoter. Et gros compliqué, bisoter. Et puis ton gros sous-dougamoté parce que disque d'or. Il faut comprendre que disque d'or a fallu pas. Il arrivait à rafler ses disques d'or, ils allaient après 3 ans. À l'aide d'un album rempli de featuring, où depuis la première chanson, c'est Nasuka. Single d'or. Single d'or, ouais, mais single d'or, à l'aide aussi d'Ayana Kamoré et puis de Booba. Mais pas de nous, parce que nous avons une musique qui est forte. NASA, je sais pas quoi là. Non, mais justement, NASA, Azouate, Arkeli, il n'y en a pas. Non, et puis... en fait, Tokos, hein. Il n'y a que deux singles d'or. Booba, parce que Booba était en train de battre son plein bas. Son plein. C'est Tokos ? Ouais, c'est dans Tokos. Et Ayana Kamoré. Ayana Kamoré également. Une très belle chanson, en tout cas, comme ça. Et puis, qui a aussi raflé un single d'or. Mais il faut comprendre qu'Ayana Kamoré et Booba, à ces temps-là, jusqu'à la preuve du contraire, il y a une liste d'artistes. Oh, bah, t'es ami. Tu vois, et c'est tout à fait normal. Mais tandis que le disque d'or, au moins, tout le monde a une semaine et demie. Et tout, mais nous, il a fallu mettre 3 ans pratiquement pour que tout ça disque d'or. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, selon toi? Ce sont ces personnes qui soutiennent les artistes et musiciens. Ouais. Et ces personnes qui regardent, et eux-mêmes les artistes et musiciens, qu'est-ce qu'ils prêchent comme prédication? Nabafan ou Batal Arabango. Vous comprenez? Bisot aussi qu'elle aura plus. Namaramba. Quand on a YouTube, Talangaï, et comme à 10 millions de vues, et comme à 20 millions, mais ils ne veulent pas prêcher les gens d'aller acheter. C'est la moindre des choses. Ça dit, prêcher. Ils sont les premières personnes à désorienter Bafano Balanarabango. Et par contre, Bafano, soit comme tu as la désorientation, les journalistes également vont être désorientés. Or, on a beaucoup trop à faire. Oui, c'est la plus pratique. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que nos artistes n'ont pas fait? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que parler de nos artistes et qui ont marqué l'histoire, en tout cas, il y a musique africaine. Lélo, Ngannoto Osola, il y a Beyoncé qui venait d'auditionner la chanson de l'homme Makiadi, c'est du lourd. Sérieux? Y a pas... Ouais, mais il n'y a pas que elle. Au Cuba. Parce qu'on moque à boy. Disque d'or et solo. On comprend. Mais qu'il a franchement après une mission dans notre côté à la chute. Et t'as là au coup, t'as monté, exacte. Merci, tu as un peu. Quel est la snap au coup, t'as monté? Exacte. Ah. Hein. C'est ça quoi? Non, mais. Ça dit, faut toi arriver, père. On se bat disque d'or et artiste, on a mis au mot. Ça dit, Aza fini la snap, il est moro. Aza capable de retec. Aza capable de battre la somme. Pas que ça m'a quand même. Mais il n'y en a pas. Et tu vois, on a suspens. Je pose un disque diamant ou platine, ça demande. Pour mettre tes disques d'or, non. Ok, qu'on a été ton disque d'or. Mais maintenant, il va juste. Tes amis, tu as un disque d'or. Mal, il y a bon, on va essayer de voir, mais toi qui es qu'on a noté, toi tu as la art. Je suis vraiment choquée. En tout cas, le Congolais, révoltons-nous. Parce que c'est vraiment un choc. Hein. C'est vraiment un choc. Un pays comme la République démocratique du Congo avec plus de 80 millions d'habitants, sans compter la mais diaspora. On doit aussi. Non, mais c'est. Mais regarde. C'est vraiment. Parce que quand c'est un disque d'or de la France, on a un peu créé un système dans le monde. Tout le monde a parti, c'est un souper, parce qu'on a un bango. Par exemple, Angleterre peut avoir un bango. Belgique peut avoir un bango.
bisou togo ça la paix bisou parce que togo s'intéresser dans la peau et ça va français mais bisou paix on peut créer à nous et ça n'est pas que mutu pas sommi va remettre un peu prix. Il y a la question de s'organiser industrie musicale na bisou et on y fait pas ça là pour nos musiciens na bisou ça fera du bien en tout cas thème. D'accord, voilà, merci beaucoup Killer Chile. C'est sincèrement comme on a sous la émission d'Abisso, mais je pense que nous avons apprendre ma gamme, bien sûr, tant que chroniqueuse. On a quitté, mais je vais aller vérifier. La scène a bino peut battre mon love. Vous allez vérifier. Bien sûr, donc voilà, moi je dirais félicitations à toi Fanny Poupa, félicitations, donc voilà. Killer Chile, c'est comme on est vraiment on a su pas. On va essayer de parler de l'artiste musicien, le maestro Fabregas, qui a un concert pour la première fois. Maestro Fabregas et son Villa Nova pour la première fois en France, à Lyon le 13 mars, la salle double mixte. Il y aura le maestro Fabregas qui va se produire avec son groupe Villa Nova. La salle le 13 mars. En tout cas, c'est. Et que vive la musique congolaise, et je pense que c'est une victoire en tout cas de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on a voulu en fait, le retour de concert et puis de Kennedy. Surtout que c'est une première fois. Maestro doit regarder les choses du bon côté, il doit beaucoup aussi réfléchir. Et par contre, c'est aussi une occasion pour permettre à ce que jeune artiste Moussou Bazapé a succès, on rappelle pour accompagner pour ça la force Nabisso. Et tu as mis déjà nous, la mission place et outils. La place au qui est ces problèmes que nous avions connus par rapport à ma combattant et autres. Donc, il doit tenir à ça. Côté relationnel, côté peut-être, bon, musique, nous n'en parlons même, parce que lui, avec la musique, c'est il est déjà dans sur la bonne voie. Mais, il y a ma relation, il y a ma stratégie. Pour ça, là, que jour où on a, tout va y avoir massivement. Surtout parce que ça sera. Paris, à Lyon. Voilà, pire encore. Donc, ça sera que. C'est question de. D'aider à ce que le drapeau de la République démocratique du Congo soit bandi, quoi. Donc, ça dit, là, une fête pour nous. Et puisque ça sera une fête, qu'il essaie de réfléchir, en tout cas, qu'est-ce qu'il fera de plus génial en fin de temps, au coup, Tanakuna, et ça l'abisse bien, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Lucie. Où est-ce qu'il est, Singa? Et dépendamment de son aligné. Donc voilà. Merci beaucoup, Killer Kilesi. Merci beaucoup à toi, Killer Kilesi. Très heureuse, hein. Très heureuse. Nous étions également, moi, je suis très heureux. Honorée parce que c'est en vraiment une émission très riche. En tout cas. Très, très, très riche. Moi, je le dis, très riche. Donc merci beaucoup. Killer, je ne sais pas, un dernier mot, un mot de la fin, quelques dédicaces. Un mot de la fin, hein. Ben bon. Non, mais viens après parce que. Les 18, Troya, j'aimerais qu'on se revoie là, dans le calme, parce que tout à l'heure. De la foule et puis il y a des gens qui passent et surtout que tu m'as encore surprise là. Mais je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas refuser de te donner un élément et aussi partager ma petite connaissance, en tout cas la petite connaissance que j'ai là. On va te voir au Talabis, on a 4 gars à vous accompagner, Marango tout ça là. Un dernier message, il faut apprendre à quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Et ça aussi important. On a encore pas tête, on a cruise. Et là-bas, il faut quitter le lieu avant que le lieu. C'est très important. Il faut savoir supporter en fait les autres. Soit moi-même, étant, c'est pas moi. Que c'est les autres, on donne un coup de pouce aux autres, ça fera du bien. Donc, aimons-nous pour rien, aimons-nous pour quelque chose, aimons-nous tout simplement parce que t'es moi à Pembe, Kilera Mwindou, Amandefou, et puis parce que Merveille, notre frère qui assure en tout cas l'image à ça. Tu vois, donc on ne peut pas nous aimer pour quelque chose, pour rien, ça vaut en tout cas la peine. Et que vive la musique congolaise. Et merci à Dati Chou, la plus discrète de la France, là, Dati Chou. Merci à Gianni Sitanchuma pour Toubanga Mouturi. Maman Diebo, Bissembe Julienne, ma mère en tout cas depuis les États-Unis, c'est une mère qui m'a adopté comme ça. Merci Ko, la première dame de Lausanne, il y a Gobelich, ma vraie parent, il y a Rich Andil Wawa, un enfant pas comme les autres. Fabrice Emmanuel Kalonji Westriga, j'ai dit merci à Eva Moiri, merci à Vio Dilon Mampouya, merci à Jean-Paul Binda Mastaki, en tout cas plus rapide que les vents, plus fort que toutes les vagues des océans. Je pense à Marley Dog, Dog Marley, Marley Tang. C'est fort possible que ces quatre tous en Lubumbashi. Et on, bon, c'est fort possible que ces quatre, c'est fort possible. Merci à Lushima de BCBG. Aïe, aïe, qui est encore là. Clay Makengo, depuis là où tu es. Donc, merci en tout cas infiniment.
Bah tout va aller à killer qui est si je les aime. Le numéro, c'est bon. Ouais. Le plus 243 89 526 54 54 plus 243 89 526 54 54. Mais abonnez-vous massivement et pas là, en tout cas. Voilà, venez chez moi, Killer Killer City. Massivement sur Killer Killer Télévision. Et moi, je te dis merci beaucoup. Non, mais grand plaisir. Hein. D'avoir répondu grand plaisir. À notre invitation. Ça sent, ça sent l'avion, là. Ah c'est pour rire. Voilà. Merci beaucoup à tous les témologues. La vie de on se voit qui vraiment tant la vie nous pendant l'année. Bisous avec Killer Killer City. Merci beaucoup à toi. Merci mon pouille derrière la caméra. Merci également à toi, Prince Yahweh, et Mister Versace, Zone One, nous avons respiré de l'imbamé. Merci à toi, Tadi Ernef, Papa Nassiblum, depuis les États-Unis, d'Amérique plus précisément à Dallas. Le grand prof Ngouma Lokito, depuis les États-Unis, bien sûr, plus précisément à New York. Merci beaucoup à toi, maman Emeline Demba, tous pépélés, Monté Maïvie, tous pépélés à Mbetolo, depuis le UK. L'Angleterre, bien sûr. Merci à toi, mon vieux Landry Futila, le grand Bakala, Nzambakan, Luka, Chamundele, merci Nayo. Merci beaucoup à toi. J'ai mis mon la fille à papa, mon bébé, j'ai mis mon la fille à papa. Merci beaucoup, Nabate, mon love, Nyon, surtout. Mais également, merci beaucoup à ma partenaire, Nabiso, Nyon, son Kalskito, Chris Express World, Awatoza, Gluglu Lingerie. Et bah, partenaire mignon surtout il y a témo et puis Kalami et Totoza sont un partenariat si quand on a annoncé bino hein ce bibende écoute après au tangi comme on est quand ils ont la donc voilà abonnez-vous massivement sur notre chaîne Témo TV officielle pour ne rien rater donc voilà d'ici là je vous aime beaucoup portez-vous bien à l'actualité continuez sur www.témo.tv officiel parce que ici c'est l'information à temps réel bisous bye.